Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la promotion de l'épisode de Mad Max. Donc comme prévu dans le précédent épisode, nous allons aller faire la mission principale et essayer de choper le Big Chief. Mais je ne sais pas du tout où il faut le lancer, là-bas. Oh oh, donc dans la cave. Allons voir. Alors, bonjour pour l'information, c'est quoi? Bonjour madame. Oh, dans le garage directement. Cette information me plaît énormément. Je dois l'admettre. Hop. Oui, je sais, ça vous pète à la gueule, mais c'est pas grave, vous prendrez l'habitude. C'est par là. Puis à droite. Hop. C'est marrant, je suis pas tombé sur le garage. C'est elle? Non, c'est pas elle? Non, apparemment non. Concubine, qu'elle s'appelle. Ah bah là voilà, justement. Ah voilà pourquoi j'avais pas le droit d'y aller. D'accord. Allons-y, bonjour. Oh, il y a une animation pour les boobs. Incroyable. Je sais pas comment j'ai fait pour le remarquer aussi vite. The prize. Where is it? If you help me, my daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. Bon, alors pour la petite information, chers amis. Child, c'est le singulier de children. Children, c'est le pluriel d'enfant, en fait, tout simplement. Donc, faut pas utiliser children pour un enfant. C'est comme si on disait le marmaille. C'est pareil, ça veut pas le dire. Ça veut pas marcher. C'est un marmot et la marmaille. Voilà, merci pour la petite leçon d'anglais. Alors, le Big Chief. Rappelons au passage qu'il nous faut retrouver de la ferraille dans cette zone. Parfait. Ça commence très très bien. T'as tout compris. Je suis loin, je ne suis pas là. Fais comme si je n'étais pas là. What? Des War Boys. Raté. Alors ça c'est con parce que tu vas le payer cher. Raté. Je déteste les jaunes. Moi aussi je peux t'en coller une dure. Aïe. Couché. Putain de War Boys. Hop. Une cartouche de fusil, c'est cool. Et ici on a 4 pièces de ferraille. Bon bah écoutez, c'est toujours ça le prix. On en a perdu un petit peu tout à l'heure en achetant nos 2-3 petites choses. Raté. 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 Et boum! Aïe! Raté! Aïe! Et boum!
Aïe. C'est cool, tu t'es retrouvé derrière un mur. Enfin, devant un mur, justement, avec un mur dans le dos. Sinon, t'aurais pu tenir plus longtemps. Dommage. Et les gamins qui regardent, qui s'amusent. C'est cool. Vous avez déjà vu du Warboy bouilli? Vous en avez déjà mangé? Vous voulez en manger? Ben, je vous invite à y aller, parce que c'est... Le dîner est servi, entre guillemets. Hein. Alors, j'imagine que ça, c'est le chemin de retour. Oh, il y a de la bouffe ici. Ça, c'est bon à savoir. Il y a même la relique historique que je cherche. Par contre, je dis pas que la bouffe est bonne. Hein. Comme dirait l'épouvantail dans Batman, donc The Dark Knight, tout simplement, je suis con. Cash only, all machines are down, we do not accept plastic, d'accord. Cash uniquement. Donc comme il dit donc dans l'épouvantail dans The Dark Knight, je t'avais promis un composé qui ferait voyager et pas qu'on apprécierait la destination. C'est un truc comme ça. Je croyais que j'allais sortir correctement, mais j'ai l'impression que qu'il y a un truc qui va pas. Ah, mais pas qu'on apprécierait les endroits à visiter. C'est ça. Je t'ai promis un composé qui ferait voyager et pas qu'on apprécierait les endroits à visiter. C'est tout à fait ça. Du bon pétrole. Il me faut encore... Alors le truc c'est que voilà. Tu repasses par le truc. Hop, voilà. Comme ça tu te fais bien chier. Et tu y retournes. Une fois de plus. Enflammé. Lâché. Boum. Parfait. Allons-y. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et un. Et deux. Et trois. Non, c'est la boucherie. Arrête, c'est pas les trophées. T'excite pas. C'est la boucherie. Alors. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Oh, je vois un bleu. Je vois un violet. Raté. Je vois un jaune. Oh! C'est encore un jaune, ça. Bla! Ça me gonfle, cette histoire. Couché. Couché, j'ai dit. Boum. C'est bon. Et boum. Allez, ramène-toi. Ah, j'avais oublié, c'est ça l'aptitude des commandes bleues, c'est les doubles coups. Double tap. Pourquoi pas? Non, il faut trouver les ferrailles et les trucs qui me restent. Apparemment, je suis pas au même endroit en fait. Enfin, le jeu ne me considère pas au même endroit. C'est marrant ça. Bon, on refait le tour. On avance. Hop. Ok. Je comprends toujours pas l'intérêt, mais pourquoi pas. J'imagine qu'il faudra que je vienne là à un moment ou à un autre. Donc qu'est-ce que je fais? Je les lâche. T'es sérieux? J'ai réussi à le foutre là. Bon, tant pis, je descends avec. Voilà. Me dis pas que tu bois, t'as rebondi trois fois. Oh putain. Bon. Faire le plein. Ouais, je m'en doutais, il y avait une couille dans le pâté. Il
Il y avait forcément une couille dans le pâté. Hop les. Et maintenant, ça marche? T'es sérieux? Je dois rouler avec ça? Mais en plus, mais visez le baril rouge. C'est ça que ce véhicule dit ça en fait. Visez les barils rouges. Ok. Apparemment, il m'a foutu le pétrole illimité. Donc, boucler Pétroville, ça c'est con. Ah, surtout pour moi, quoi. What? Mais genre! Mais what? Ça, si on pouvait l'éviter, ce serait cool. Oh, mais lol! La conduite de ce véhicule est tellement naze! Regardez ça! Regardez ça! Regardez la physique du jeu! Alors, sur la boîte, en tout cas sur les pubs, ils nous vantent la physique incroyable donnée au jeu. Pour les combats de véhicules, qui sont principalement normalement des combats de physique. Hop là. What? Vous avez vu? Il a gagné son armure à se faire brûler. Je comprends pas. C'est incompréhensible ce qui se passe là, chers amis. Non, 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 ça je suis désolé, ça marche pas en vrai. Ça non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Aucun intérêt à cette course poursuite. C'est un endroit qui me semble raisonnable, t'es sûr de ce que tu dis là? Oula, il est prêt à sortir le moteur déjà. Ouh. Ouh. Ouh, j'aime quand il parle comme ça. J'aime quand il parle comme ça. What? What? J'ai l'impression qu'on a brûlé des étapes. Moi, brûlé des étapes. Non, j'ai l'impression d'avoir chauffé ça, un siège avec des flammes. Non, ça va pas là. Pourquoi on se permet de s'asseoir sur le siège du maître du culte? Enfin, ça me... J'ai le bitchif et je ne peux pas encore partir. J'ai promis à Hope de chasser sa fille Glory. Chariot bitchif, oui, peut-être, mais... Ouh! 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 Faites qu'il fasse le bruit du film! Faites qu'il fasse le bruit du film! What? Je t'ai pas oublié. Et il fait pas le bruit du film. Putain, elle fait chier. Merde. J'en ai bouffé plein les dents d'ailleurs, au niveau des dents, j'en ai plus des masses. Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her mama Hope is waiting. Here. She'll be here. Oh, c'est génial. Une grande croix, je dirais que c'est... Je sais pas ce que c'est. Tell her she is glory.
Her name is Glory. Okay. Glory. Cute. Oh. Je m'y attendais pas à ça, à vrai dire. Le héros a très souvent, très rarement justement dans les films le soloir d'occasion. Enfin dans les jeux justement, c'est plus souvent dans les films. Par contre, embrasser une bouche comme ça, ça doit être terrible. Mais il tourne même pas! Il tourne pas le moteur! What? Attends. Passons à au-dessus, 1800, c'est pas grave. Celui-là il coûte 2300. Il ressemble plus à rien. Bon, ça y est, ma voiture ressemble plus à rien du tout, c'est mort. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Bon, on a plus de ferraille. On a plus rien. Et en plus, on l'a dans le fion. Mais, chers amis, j'ai bien envie d'aller faire un petit jump. Je sais pas vous. Il y en a un ici. On y va. On va essayer notre voiture quand même, notre véhicule. Est-ce qu'on a une ligne droite pour y aller ou pas du tout? Pas du tout. Bon bah c'est l'heure de la fuite. Hop là. Ouh, les V8 font des flammes bleues en fait, c'est ça? Non, j'ai pas fait attention. On va voir si je me trompe. Non, bah non, c'est dans ma tête en fait. Quand il est clair qu'elle est mieux la bagnole. Hein. Et par contre, c'est horriblement moche. Hein. Soyons honnêtes, c'est terriblement moche même, je dirais. Alors. Oula. C'est un camp? Mais what, je traverse le camp? Mais ce jeu se fout de ma gueule! Il est où ton pathfinding? Jeu de merde! Ouh. Je vois du rouge, je vois du jaune, je vois du vert! Je vois que ça pue tout ça! Bam! Elle va nous péter à la gueule, pas au nez, carrément à la gueule. Blah. Blah, blah. Blah, non, blah. Ah bah j'ai cramé. J'ai cramé, chef. Bon. Bon. J'ai pris cher, hein. Un petit peu sur les bords quand même, hein. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Je dois admettre que c'est pas la forme. C'est pas la Gwen Form. Pourquoi je fais cet accent, c'était naze en plus. Alors, est-ce qu'il y en a un peu plus près? Peut-être. Il y en a un juste là. Ah, parfait, on y va. Tiens, hop. On va se faire un petit saut, chers amis. Ensuite, on ira voir les quelques archanges qu'on a à notre disposition. Et ensuite on se laissera là, en plus un petit saut dans la nuit, ça va être sympa. Ok, on va les arrêter. Alors ça c'était horriblement laid aussi. Mais ce n'est pas grave, je peux vraiment pas aller... Bon, je vais aller là. Parce que j'ai l'impression que c'est le dernier en fait, donc j'ai envie de le faire. Je vais me foutre là.
Hop. Et on verra bien si on gagne du temps. Ou pas. Hop. Bla 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 bla. Alors. Voyons voir. Allons-y. C'est parti. Ça roule ma poule. Et voilà, je n'y vois plus rien sur ma bagnole. Par contre. Archange. Là, je suis désolé, il me faut les archanges. Parce que je ne vois rien sur ma bagnole. Et en plus, je veux aller voir si... Il manque deux pièces. Putain, dommage. Cavalière d'argent. L'or est une machine de tuer de luxe, élégante comme un corbeau et en vol et rapide comme un lézard pour traverser les terres mortes avec classe. Ouais, tout est relatif. Diablesse, elle est jolie. Voyons. Ah mais non, je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Celle-là, j'ai ce qu'il faut non plus. Trois pièces manquantes. Ah oui, c'est parce que là, celle-là, je l'ai pas. Celle-là, par contre, je l'ai pas installée. Voilà, d'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Faut 900 pour la dérouiller, donc je comprends pas. Oui, d'accord, il y a des trucs qui sont bloqués. On va mettre celle-là alors. On va prendre la diablesse de base. Sauf que sur cette diablesse de base, on met le V8. Quand même, merde. Je l'ai pas débloqué pour rien. Et on lui met le. Enfin, on lui met les meilleures pièces quand même. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Bon, ça pour ça, ça va pas. L'échappement, bam. On peut garder le style, mais garder les meilleures pièces aussi mieux. Hein. Enfin, ça me semble logique. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Vous avez vu qu'on a une super accélération et une super vitesse de pointe, là, chers amis. Hein. Donc là, je dois vous avouer que je suis curieux. Et vous savez quoi? On va mettre la peinture d'or. Parce que j'en ai rien à foutre. Allez, on va essayer celle-là. Non. Celle-là. Non. Celle-là. Non. Celle-là. Non. Celle-là, pourquoi pas. Celle-là, non. Parce que celle-là, j'utilise tout le temps. La noire, alors. Wouhou! Triple vrille! Si ça, c'est pas la classe! Alors. C'est vrai qu'elle est très particulière à conduire. Hein. Soit elle tourne énormément, soit elle tourne pas. Le plus souvent, c'est énormément en plus. Merde, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Viens avec moi. Hop les. Touché. Bon là il y a aussi ce truc là. Je touche les deux. Non j'en touche qu'un, dommage. Et attends, regarde, il fait chaud. Hop. Toi tu viens par là. Juste pour voir si ça marche. Non, ça marche pas. J'ai ce qu'on appelle cramer de l'essence. Boum. Et reboum. Parfait. Une catapulte supplémentaire. Et voici le tremplin. Oh putain. Oh, je sens que je vais m'éclater. Littéralement.
Hop là! Ouais! Ça, c'est fait. Un endroit qui est inatteignable autrement. Alors, vas-y, force l'ouverture. Fais comme avec les femmes. Force l'ouverture! Hop là! Hop là! Bah, c'est cool tout ça! Hop! Est-ce qu'on les a bel et bien tous faits? Est-ce qu'il ne nous reste pas un tremplin quelque part? Apparemment non. Là je ne vois rien qui ressemble à un tremplin. Si, il y en a un ici, effectivement. Oui, exact. Sauf qu'il m'envoie directement, j'imagine, dans le camp. Ce qu'on pourrait garder pour le prochain épisode, je pense. Bon, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérouve, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer dans le descriptif de l'épisode vers les liens de mon partenaire Gamesplay.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie tout comme je vous remercie de votre fidélité et de votre amitié. Quant à moi, je vous dis à demain pour un autre épisode de Mad Max. Salut les gens. Et yop.